Les années ont passé. Le grand Richelieu est mort, précédant de peu le roi Louis XIII. Le dauphin, le futur Louis XIV, n'est encore qu'un enfant. En attendant sa majorité, c'est sa mère, Anne d'Autriche, qui assume la régence du royaume. Mais c'est son ministre, que l'on soupçonne fort de l'avoir épousé en secret, le cardinal sicilien Mazzarino Mazzarini, qui en fait gouverne la France. Les beaux rêves d'ordre et de paix qu'avait fait Richelieu se sont effondrés. L'Europe est de nouveau plongée dans la guerre, le désordre, la misère. Qu'est-ce que vous voulez? Manger. Dehors, tout de suite! D'abord les Espagnols, ensuite les Français. J'en ai assez d'être pillé, moi. Si je dois encore nourrir les moines... Évidemment, vous n'avez pas d'argent. Servez-moi une soupe. Anna, sers une bonne assiette de soupe pour le père. Et ne lésine pas sur le lard. Il va mourir. Allez, aide-moi. Mon père, cet homme se meurt. Il réclame les derniers sacrements. Vous l'avez reconnu, hein? Un bourreau, ça peut crever comme un chien. Je n'ai jamais vu cet homme. Mais mon père, tous les hommes sont égaux devant la mort et ont droit au dernier sacrement. Et l'ancien bourreau de Béthune comme les autres. Le bourreau de Béthune? Vous êtes sûr? Certaine. Conduisez-moi.
Sortez tous. Confessez-moi, mon père. Parlez sans crainte. J'ai sauvé des vies, mon père. Mais bien, je les ai distribués tous. Mais le remords me poursuit quand même. Tout le monde m'a pardonné, tout le monde vient me voir. Mais Dieu, mon père, Dieu, pourquoi ne vient-il pas? Pourquoi? Pourquoi m'envoie-t-il le spectre de cette femme? Femme? C'est donc une femme que vous avez assassinée? Vous aussi, vous dites assassinée? Dieu et moi jugerons. Continuez. C'est surtout la nuit. Oui, la nuit. Quand je traverse une rivière, ma main devient lourde comme si je tenais encore mon épée. L'eau est rouge. Et son corps décapité roule dans la rivière. Un soir, un homme est venu me chercher. Il m'a montré un ordre, je l'ai suivi. 4 autres seigneurs nous attendaient. Nous avons fait 5 ou 6 lieues en silence. Nous sommes arrivés devant une petite chaumière. Ils m'ont montré une femme. Ils m'ont dit, voilà celle qu'il faut exécuter. Et vous avez obéi? C'était un monstre, mon père. Elle avait empoisonné 2 personnes. Son second mari et sa rivale. Elle avait tenté de faire assassiner son beau-frère. Et avant de quitter l'Angleterre, elle avait fait poignarder le favori du roi. Buckingham. Oui, Buckingham. Était-elle anglaise? Non, française. Mais elle s'était mariée en Angleterre. Mon père, ne partez pas. Au nom du ciel. Le ciel, en effet. C'est lui qui t'a mis sur ma route. Qui étaient ces hommes? L'un était son beau-frère, un Anglais. Les autres, des Français. Leur nom? Je ne m'en souviens que d'un. Il s'appelait Athos. Athos? Oui, le comte de l'affaire. Les autres, je ne m'en souviens plus. Et l'Anglais? Les Français l'appelaient Milord. Milord de Winter, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? C'était mon oncle. Je suis John Francis de Winter. Et cette femme que tu as assassinée, c'était ma mère. Ma mère! Tu comprends? Mon père, l'absolution. Je vous en supplie. L'absolution. Tiens. La voilà! Mon absolution! À son éminence, Monseigneur le Cardinal de Mazarin, je voudrais, Monseigneur, connaître vos intentions au sujet des affaires présentes de l'Angleterre. Les Anglais, unanimes pour combattre la tyrannie du roi Charles et de ses partisans, vont livrer à Charles Ier une bataille décisive. Cette bataille, je la gagnerai car l'espoir de la nation et l'esprit du Seigneur sont avec moi. Mais s'il n'est pris ou tué, le roi va essayer de passer en France pour recruter des soldats, se refaire des armes. En le recevant et en le secourant, la France désapprouverait les actes du peuple anglais et nuirait si essentiellement à l'Angleterre qu'un pareil état équivaudrait à des hostilités flagrantes. Il est urgent, Monseigneur, que je sache à quoi m'en tenir sur les vues de la France. Ma lettre est donc toute confidentielle. Et c'est pour cela que je vous l'envoie par un homme de mon intime confiance, Monsieur Mordant. Mais vous me semblez extrêmement jeune pour ce rude métier d'ambassadeur. J'ai 23 ans, Monseigneur. Mais les années de souffrance comptent double. Vous êtes pauvre? Je devais avoir une fortune de 6 millions.
mais on me l'a prise. Ah, vous êtes donc de bonne famille. Je croyais qu'en Angleterre, c'était les paysans et les ouvriers qui faisaient la révolution, et que ce n'était qu'en France qu'elle avait le privilège d'être dirigée par les princes et par les nobles. Je reconnais que ma position est particulière. Vous êtes noble? Si je portais mon titre, je serais là. Vous avez donc des raisons personnelles pour agir ainsi? Oui, je hais ma famille. Et personne ne vous vient en aide? Il me reste un parent, monseigneur. Je me suis présenté 3 fois pour implorer son appui. Et 3 fois, il m'a fait jeter dehors par ses valets. Votre père? Il y a peu de temps que je connais ma naissance. Et jusqu'à ce moment, je me considérais comme un enfant abandonné. Vous n'avez jamais vu votre mère? Quand j'étais enfant, elle venait quelquefois chez ma nourrice. L'avez-vous recherchée? Oui, monseigneur, en vain. Jusqu'au jour où, par hasard, j'ai appris qu'elle avait été assassinée par ce parent dont je vous ai parlé, et 4 de ses amis. C'est sur le conseil de ce parent que le roi Charles Ier m'a dégradé de la noblesse et dépouillé de tous mes biens. Alors je comprends pourquoi vous servez Monsieur Cromwell. Vous haïssez le roi. Oui, monseigneur. Je le hais. Votre histoire me bouleverse profondément, Monsieur Mordaunt. Mais revenons, si vous voulez, à l'objet de votre visite. Le général Cromwell connaîtra ma réponse à sa lettre dans, mettons, 1 mois. Cela convient-il? En attendant, je vous demanderai de retourner le plus rapidement possible dans votre pays. Tout cela devra rester secret. Chevalier d'Artagnan, lieutenant aux mousquetaires du roi, son éminence m'attend. Monsieur d'Artagnan. Eh bien, monsieur d'Artagnan, comment va la guerre dans les Flandres? Se porte bien, monseigneur. J'ai su que vous aviez payé admirablement de votre personne, en chargeant à la tête de votre compagnie. Vous avez été blessé? Oh, rien de grave, puisque me voici. J'admire la promptitude avec laquelle vous avez répondu à mon appel. Vous n'avez même pas pris le temps de changer de vêtements? Non, monseigneur. Mais mon zèle n'est peut-être que de la curiosité. De la curiosité? Oui. Et j'aimerais savoir pourquoi, après avoir été si longtemps oublié, l'on me fait l'honneur de me rappeler à Paris. Disons, si vous voulez, que le moment est venu de mettre à profit votre talent et votre valeur. Ordonnez, monseigneur, je suis prêt à obéir. Monsieur d'Artagnan, au cours du règne précédent, vous avez accompli des... Enfin, disons certains exploits. Je suis soldat, j'essaie de faire mon métier le mieux possible. Non, je ne parle pas de vos exploits militaires. Quelques bruits qu'ils aient faits, ils ont été surpassés par les autres. Les autres? Oui. Vraiment, je ne vois pas de quels exploits votre éminence veut parler. Je parle de cette aventure. Vous savez très bien à quoi je fais allusion. Les ferrets. Ce voyage, la reine. Hélas, non, monseigneur. Vous êtes discret, bravo. On m'avait bien dit d'ailleurs que vous étiez l'homme que je cherchais. J'ai besoin de vous et de vos 3 compagnons. Vos 3 amis d'autrefois. Autrefois, monseigneur, je n'avais pas 3 amis, j'en avais 50. Quand on a 20 ans, on appelle tout le monde ses amis. La discrétion est une excellente chose. Mais aujourd'hui, il y va de votre fortune. Où sont vos 3 amis? Je n'en sais rien, monseigneur. Comment se peut-il? Il y a longtemps que nous nous sommes séparés et tous 3 ont quitté le service. Et vous pourriez les retrouver? Ça dépend. D'un peu d'argent?
de beaucoup d'argent. On fait mal les grandes choses avec de petits moyens. Diable, comme vous y allez. Mais monseigneur, peut-être mes amis ne sont-ils plus à Paris. Il va falloir voyager, les voyages sont chers. Et depuis que je suis au service, je n'ai économisé que des dettes. Prenez toujours ceci. Que dirais-je à mes amis pour les déterminer à vous servir? Qu'ils me servent comme ils ont servi la reine. Et ma reconnaissance sera éclatante. Que ferons-nous? Un voyage que vous connaissez bien. Le voyage d'Angleterre. Comme vous savez, la guerre civile y sévit depuis 6 ou 7 ans et il va s'y engager une ultime bataille. Entre les forces restées fidèles au roi Charles et l'armée des Républicains. Si le roi essuie une défaite, il va nous demander asile. Devrons-nous le lui accorder, au risque de déplaire au nouveau gouvernement anglais? Vaut-il la peine de courir un tel risque pour un roi qui ne représente plus rien? C'est vous, monsieur D'Artagnan, qui allez me donner la réponse à toutes ces questions. C'est très simple. Ce n'est pas si simple qu'il y paraît. Quelques Français ont le projet de lever une armée pour secourir le roi. Si le véritable but de votre voyage vient à être découvert, vous serez menacé par les deux camps à la fois. Et naturellement, moi, je ne pourrai en aucun cas vous couvrir. Le nom de vos trois amis? Le comte de la Fère, autrement dit Athos. Monsieur Duvallon. Autrement dit, Porthos, et le chevalier d'Herblay, autrement dit, Aramis. De quoi soulever l'Europe? Un Gascon ne l'aurait pas dit. Ma en italienne. Mamie, comme tu m'as manqué. Qui êtes-vous? Monsieur est ton cousin, sans doute. Peste le bel appétit. Moi, cousin? Ne vous dérangez pas pour nous. Nous en avons juste pour un petit moment. Voulez-vous lâcher ma fiancée? Ton fiancé? Tu avais donc l'intention de me lâcher? Bravo. Grâce à mon petit ami, vous allez m'en rendre raison. Mais un instant, mon bon monsieur. Ses affaires. Ses affaires. Hey. Oh non, non.
monsieur, c'est moi. Mais que faisais-tu derrière ce rideau? Je me cachais, monsieur. De qui? De vous, monsieur. Pourquoi? Tu te sentais coupable envers moi? Oui et non, monsieur, mais je pensais que dans l'aveuglement de la colère... Ah, vous... Ma colère n'est pas aveugle. Elle est très lucide. Je n'ai jamais voulu épouser Madeleine. Je comprends qu'elle prenne quelques récréations pendant mes absences. Ah, mais faudrait tout de même pas exagérer. Alors, quant à toi... Quant à moi, monsieur? Tu t'avais fait engager ici comme laquais. Ah, économe, monsieur, économe. Encore mieux. C'était pour surveiller la propriétaire. Les deux fonctions sont incompatibles, monsieur. Comment ça? Et puis, depuis 2 mois, on était sans nouvelles de vous. On vous croyait mort. Ou à tout le moins blessé. Bon. Parlerons de ça plus tard. Assieds-toi. Et écoute. Sais-tu où se trouve Athos, Porthos ou Aramis en ce moment? Non, monsieur. Et leurs laquais, tu ne les as jamais revus? Quelquefois, il y a bien longtemps. L'année dernière, j'ai reçu une lettre de Mousqueton. Il me disait que M. Porthos était toujours dans son château de Pierrefonds. Et les autres? Grimaud, par exemple, il t'a jamais écrit? Non, monsieur. Bazin non plus? Non. Diable. Attendez. Oui. Eh bien, mon cher Bazin, c'est ainsi que vous recevez un ancien ami? Monsieur, les vrais amis du chrétien sont ceux qui l'aident à chercher le salut de son âme, et non ceux qui l'en détournent. Je vous ai détourné de votre salut? Il ne s'agit pas du mien, monsieur, mais de celui de mon honorable maître. N'oubliez pas que je n'avais tenu qu'à vous, il serait resté mousquetaire et se serait damné. Mon cher Bazin, les temps ont bien changé. Et j'ai pensé que puisque ton maître est en train de faire son salut, il pourrait peut-être m'aider à faire le mien. Où est-il? Je l'ignore. Oh, je ne te crois pas. Au nom du ciel, nous sommes dans un lieu sacré. Ah. Comment oserais-je mentir? Bon. Eh bien, n'en parlons plus et... prends toujours cette demi-pistole pour boire à ma santé. Monsieur, je ne bois jamais. Nous laissons cela aux laïcs. Incorruptible. Que je serai de retour sans faute demain matin à 6 heures pour la première messe. Aramis n'a pas changé. Attends-moi ici. Mais il fait froid. Planchet, mon garçon, tu vieillis. Oh, monsieur d'Artagnan, à cette heure-ci?
Pourquoi, je suis en avance? Oui, je sais, tu vas encore me dire que tu ignores où est ton maître. Mon cher abbé, je parie que vous m'attendiez. Pas exactement. Et pourtant, je prévois toujours un encas pour les visiteurs nocturnes. D'ailleurs, je savais que vous me cherchiez. Maître Bazin. Exact. Il vous a pris pour le diable. Et il est accouru pour me prévenir du danger mortel qui menaçait mon âme. Oh, monseigneur, je... Allons, pas d'hypocrisie. Vous feriez mieux d'ouvrir la fenêtre et de descendre une bouteille de vin à votre ami Planchet. Peste, quelle table! Oui, assez bonne, je l'avoue. Et d'autant que nous sommes vendredi. Oh, pour les jours maigres, j'ai une dispense de rhum. Vous avez donc fait fortune? Oh, mon Dieu, non. C'est à peine si mes revenus s'élèvent à 12 000 livres par an. Vos poèmes? J'y ai renoncé. Je fais des sermons, c'est passionnant. Que vous prêchez? Que je vends. Content? J'ai beaucoup de confrères qui ne pensent qu'à devenir de grands prédicateurs. Vraiment? Et vous n'avez pas été tenté par la gloire pour vous-même? J'ai toujours très mal résisté à ma nature. Quand je prononce mon sermon et que par hasard une aimable fille me regarde, mes yeux ne la quittent plus. Si elle me sourit, alors je divague. Et au lieu de parler des tourments de l'enfer, je me mets à vanter les joies du paradis. Bazin, mon ami, combien de fois vous ai-je défendu tout commentaire, quel qu'il soit? Vous me ferez donc le plaisir de poser ce vin d'Espagne et de vous retirer. Mon ami D'Artagnan a quelque chose de très important à me communiquer. N'est-ce pas, D'Artagnan? Oui. C'est curieux. Quoi? Lorsque vous étiez mousquetaire, vous tourniez sans cesse à l'abbé. Et maintenant que vous êtes abbé... C'est vrai. Je ne rêve plus que bataille. Vous savez que vous tirez toujours bien? Mieux. Je m'entraîne tous les jours. Avec maître Bazin? Non. Avec un excellent maître d'armes. Il y a de tout dans un couvent. À nos souvenirs. Et l'ambition, Aramis? Vous en avez toujours? Comme Alexandre. Je vous apporte de quoi la combler. On m'a proposé une mission. Il s'agirait de se rendre en Angleterre auprès de Cromwell, dans le but secret de choisir entre les deux camps. Qu'en dites-vous? Que le cardinal Mazarin est loin d'être un homme de génie, comme je le croyais jusqu'ici. Et qui vous parle de monsieur de Mazarin? Pardonnez-moi. Il me semblait que c'était lui qui vous envoyait. Pas le moins du monde. Mais ne s'agissait-il pas d'une mission? Mission, c'est beaucoup dire. Non, j'avais envie de vous revoir tous et je m'étais dit... Nous étions quatre cœurs tendrement unis, unissant de nouveau non pas nos quatre cœurs, qui jamais n'ont été séparés, mais nos quatre courages et nos quatre destinées. Voilà. Malheureusement, on ne remonte pas si facilement le cours des années. Fugit inexorabile tempus. Et là, je le vois bien. Allons! Il se fait tard. Et ce pauvre Planchet doit avoir les pieds gelés. Adieu. Qui sait, peut-être ce temps de notre jeunesse reviendra-t-il un jour. Mais si vous avez besoin de moi, rue Ticton. Hôtel de la Chevrette. Et moi, couvent de Noisy. Adieu, cher D'Artagnan. Et merci des bons souvenirs que votre présence a éveillés en moi. Bazin! Reconduisez monsieur D'Artagnan.
Mon cher Athos, tout est prêt. Je serai donc chez vous dans 3 jours. Nous pourrons partir aussitôt. Je viens d'avoir un instant des nouvelles d'Écosse. Elles sont mauvaises pour le malheureux roi Charles. Dieu veuille que nous n'arrivions pas trop tard. Je vous embrasse. Post-scriptum. Peut-être aurez-vous la visite de notre cher D'Artagnan. Le Mazarin l'envoie en Angleterre et aurait souhaité que nous l'accompagnions. Il me surprendrait fort que le petit cardinal penchât du côté de notre cause. La coïncidence, cependant, n'est-elle pas curieuse? C'est impossible. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que la mission que tu me proposes m'oblige à rester neutre devant le malheur d'un roi. Tu peux penser d'une autre façon, D'Artagnan, je ne t'en détournerai pas. Mais je te blâme. Je suis soldat. J'appartiens à ceux qui paient ma solde. Par surcroît, je suis français, je ne vois pas pourquoi j'irais prendre parti dans les affaires d'Angleterre. Mais parce que tous les gentilshommes sont frères et que les rois sont les premiers d'entre les gentilshommes. Et c'est toi, D'Artagnan, l'homme de la vieille seigneurie, l'homme au si beau nom, qui livrerait un roi à des marchands de bière. D'Artagnan! Pardonne-moi, je me suis laissé emporter. Mais ne m'en veuille pas. Pendant 10 ans, tous les quatre, nous avons vécu côte à côte. Nos destins sont liés. Mais l'amitié ne signifie pas qu'il faille toujours et aveuglément être d'accord les uns avec les autres. Le temps, les circonstances nous séparent. Et nous sépareront encore. Quoi qu'il arrive, gardons toujours notre devise présente à l'esprit. Tous pour un. Un pour tous. Tu crois vraiment que si je t'accompagne en Angleterre, ce monsieur Mazarin peut me faire un baron? Ah, sans aucun doute. Baron du Vallon, de Bracieux, de Pierrefonds. Y a pas à dire, ça sonne bien. Me suivre, le général Cromwell vous attend. Messieurs. D'Artagnan, lieutenant mousquetaire. Et voici monsieur du Vallon. Vous devez avoir une lettre de monsieur Mazarin. Décidément, c'est un grand politique que monsieur Mazarin. Un grand politique? C'est pas ce que pensent les Français. Il a des ennemis. Il n'en a pas. Moi aussi, j'ai les miens. Peu nombreux, il est vrai, puisqu'ils ne sont que 2. Mais ils valent une petite armée. Et sans eux, le roi serait entre nos mains.
Je suis d'autant plus heureux que M. Mazarin ait eu la bonne idée de vous envoyer ici. Cela rétablit l'équilibre. Messieurs, vous êtes les bienvenus. Mordant. Un mot. Charles sera entre nos mains ce soir. Comment? Groslot vient de me l'annoncer. Les négociations avec les Écossais ont abouti, finalement. Ils sont d'accord sur la somme proposée. Ils ont accepté de le vendre? Oui. Et nous prendrons livraison de la marchandise quand il nous plaira. Demain, vous serez le maître de l'Angleterre. Demain. La nation sera délivrée. Aura-t-on encore besoin de moi? Venons-en au fait. Quel est le nom du capitaine du régiment à qui vous avez ce matin tendu une embuscade? Lord de Winter, monsieur. Vous l'avez tué? Oui, monsieur. Pourquoi? Vous auriez pu le faire prisonnier. Il était votre parent, n'est-ce pas? Les traîtres à l'Angleterre ne sont pas de ma famille. Je pense... on devrait renverser la proposition. Comment cela? Dire qu'il suffit d'être membre de votre famille pour se voir considéré par vous comme traître à l'Angleterre. Quand le Seigneur ordonne, il n'y a pas à marchander avec lui. Abraham a levé le couteau sur Isaac. Et Isaac était son fils. Oui, mais le Seigneur a empêché le sacrifice. La révolution est une cause noble et désintéressée, non un moyen de satisfaire des rancunes personnelles. Un mordant. Serez-vous donc toujours plein de haine? Qui va là? Le roi va nous échapper. Il vient de franchir nos lignes. Encore ces maudits Français. Porthos.
Dieu soit loué. Les hommes de Cromwell n'y ont vu que du feu. Ils sont persuadés que vous ne pouviez pas tomber dans des mains plus féroces que les nôtres. Nous n'en sommes pas sauvés pour autant. Pourquoi? Mordaunt. Eh bien, Mordaunt. Tu m'as nommé devant lui. Et alors? C'est le fils de Milady. Lui? Mais pourquoi n'avoir rien dit? Et moi, vous en saviez mieux, cela valait. Nous avons tout à craindre de cet homme. Il a juré de venger sa mère. Connaît-il nos noms? Non, le mien seulement, c'est, en dehors de celui de son oncle, le seul qu'il ait pu tirer du broc de Béthune. Alors, qu'allons-nous faire? Réunir nos ressources, gagner le port le plus proche et passer en France. Votre avis, Porthos? Moi, je suis d'accord avec D'Artagnan. C'est un vilain pays, je déteste l'Angleterre. Eh bien, allez, mes amis. Comment aller? Oui, il faut nous séparer. Votre mission est terminée, la nôtre ne l'est pas. Nous avons juré de défendre Charles Ier. Nous avons échoué, il nous reste à le sauver. Sauver le roi? Tu ne parles pas sérieusement? En ce moment, il est au milieu d'une armée qu'il conduit à Londres. Dès son arrivée, on instruira son procès. Et je puis même vous dire d'avance la sentence, la mort. Raison de plus pour ne pas l'abandonner. Nous nous sommes engagés. Et nous avons le devoir de tenir parole. Et Mordaunt? L'avez-vous oublié? Croyez-vous qu'il renoncera à sa vengeance? Peu importe, Mordaunt. Alors, Porthos, dis quelque chose, qu'en penses-tu? Rien de bon. Croyez-moi, votre mission est terminée. Noblement terminée, rentrons en France. Non. Nous irons jusqu'au bout. Eh bien, soit! Puisque vous le voulez, laissons nos os dans ce pays! Tuons Mordaunt! Délivrons Charles! Empoisonnons Cromwell! Une fois le roi sauvé, battons les puritains à nous quatre et rentrons dans Londres, remettre le roi Charles Ier sur son trône. Je n'oublie rien. Si. Il nous fait duc et père. Quatre hommes pour prendre les prisonniers et les conduire à ma voiture. Plaît-il? Vous avez entendu mes ordres? Les prisonniers sont à moi. Ils viennent de m'être donnés à l'instant par le général en chef, Olivier Cromwell. Vous avez sans doute un papier. Un papier? Ben, je ne sais pas, moi, quelque chose. Un ordre écrit de M. Cromwell. Doutez-vous de ma parole? Dieu m'en préserve. Voulez-vous que je vous parle franc? Non, monsieur, cela suffit. Écartez-vous. Bon. Qu'est-ce que cela veut dire? Il me fallait gagner 2 minutes. Merci, monsieur. Où est-il? Oh là là, oh là là. Ces jours-là, Job prit la parole et dit « Je voudrais qu'on écrive ce que je vais dire, que mes paroles soient gravées sur le bronze, avec le ciseau de fer et le poinçon, et soient sculptées dans le roc pour toujours. Je sais, moi, que mon libérateur est vivant et qu'à la fin, il se dressera sur la poussière des morts. Avec mon corps, je me tiendrai debout et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. » Votre confesseur. Vos amis ne vous oublient pas. Quatre hommes bien résolus peuvent faire beaucoup.
Je ne peux vous en dire plus, mais ne vous préoccupez de rien. Et préparez-vous à faire ce que je vous dirai. Merci, mon ami. Mais il est trop tard. Vous entendez? L'ouvrage avance vite. Demain, tout sera fini. Le bourreau est entre nos mains. Et tant qu'il y sera, il n'y a pas d'exécution possible. Mais si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Après-demain, le condamné ne sera plus là. Entre-temps, vous aurez disparu. Comment voulez-vous que je sorte d'ici? Celui qui a conçu ce plan a tout prévu, tout étudié. Vous devez lui accorder une entière confiance. Oui, je ne sais rien de son projet. Mais qu'il réussisse ou non, je lui garderai une reconnaissance éternelle. Qui est-il? Le meilleur de nous quatre, sire. Le chevalier d'Artagnan. La retraite? Assuré. J'ai loué une felouque, l'éclair, capitaine Rogers, qui nous attendra 3 jours consécutifs, face à l'île aux chiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Des vêtements d'ouvriers. Et pourquoi faire? Vous ne devinez pas. Vous êtes maître Tom Lowe, ouvrier charpentier. Vous êtes engagé pour renforcer l'équipe qui travaille à la construction de l'échafaud. La lettre. Et voici le contrat. Vous devez fournir 3 compagnons. Athos, Aramis et moi. Résumons-nous. L'échafaud prend appui sur ce mur. Il est composé de plusieurs compartiments. Athos et Aramis travailleront dans ce compartiment. La chambre du roi est ici. Il y a dans cette chambre une cheminée dont le conduit a été bouché. Primitivement, le conduit descendait jusqu'ici. Alors, il s'agit de percer le double mur du château jusqu'à déboucher dans ce conduit. Cet objectif atteint, l'un de nous fera sauter le bouchon obstruant le bas de la cheminée, ici. Le roi se glissera de cette cheminée dans le conduit et de là dans le compartiment sous l'échafaud. Caché par les tentures, il revêt ce costume de charpentier et sort avec nous. Vous voyez une difficulté? Aucun problème. Combien de temps vous faut-il encore? Avec l'aide d'Aramis, environ 2 heures. Bien.
Quand ils s'apercevront que le bourreau a disparu, il leur faudra en trouver un autre. Probablement celui de Bristol, nous avons donc la journée devant nous. Porthos et moi allons rejoindre Pérez pour préparer les relais. Quant à vous, Aramis... Dès le lever du soleil, je serai auprès du roi. Bien. Allons-y, c'est l'heure. Écoutez-les, sire. La ville s'impatiente. D'un moment à l'autre, ils seront obligés de leur annoncer la remise de l'exécution. Vous êtes sauvés. Nous. Représentants du peuple, régulièrement élus, arrêtons. Charles Stuart, ci-devant roi d'Angleterre, coupable d'avoir levé la guerre contre le Parlement et le peuple, sera mis à mort par la séparation qui sera faite de sa tête d'avec son corps. Ainsi, c'est donc pour aujourd'hui. Le bourreau de Londres a disparu, mais à sa place, un homme s'est offert. Qui a osé? Moi. L'exécution ne sera donc retardée que du temps nécessaire à mettre en ordre vos affaires spirituelles. Allons, mon ami, du courage. Fuyez, il en est encore temps. Non. Ils ne sont plus bien loin. Vous les entendez? Je n'ai qu'une dalle à soulever, et mes amis et moi, nous nous chargeons d'assurer votre fuite. Trop de sang a déjà été versé pour un roi médiocre, trop faible, vieux. Je me soumets à mon destin. C'est la volonté de Dieu. Dieu, où est-il aujourd'hui? Il voit ton dévouement et mon martyre. Mon fils, ce qui nous arrive, les hommes en sont responsables. Dieu n'y est pour rien. Vous avez raison, sire. Ce sont les hommes qui vous ôtent la vie. C'est à eux que je m'en prendrai.
Dieu, mes témoins, que jamais je n'ai eu la pensée de trahir mes peuples. Si j'ai été coupable, ce ne fut que par négligence ou par faiblesse. Aussi, je pardonne volontiers à mes juges, à mes bourreaux, et souhaite du plus profond de mon être que ma mort marque le début de longues années de paix et de quiétude pour l'Angleterre et pour les autres peuples. Vous gêneront-ils, monsieur ? Il suffira que vous les écartiez sur le coup. Êtes-vous certain que votre main ne tremblera pas? Je l'espère. Maintenant, bourreau, écoute. Je ne veux pas que tu me surprennes. Quand je serai prêt, je poserai le coup sur le billot et je tendrai les bras en disant « Remember ». Alors, frappe hardiment. À présent, laisse-moi. La ville après la bataille. Il n'y a que toi qui saches où il se trouve. Libre à toi d'en faire usage de la façon qui te semblera la meilleure. Et quand tu le jugeras utile, pour le bien de mon fils Charles. Adieu, mon ami. Adieu. Adieu, sire. Pourquoi êtes-vous venu? Il y avait complot pour sauver la vie du roi. Quatre Français. Messieurs d'Artagnan, Duvallon, D'Herblay et le comte de la Fère. Vous le saviez? J'aurais souhaité qu'ils réussissent. Je pensais que votre honneur considérait la mort de Charles Ier comme nécessaire au bien de l'Angleterre.
C'est toujours mon avis. Mais j'aurais préféré que ce ne soit pas sur l'échafaud. Je ne comprends pas. En le condamnant, je faisais mon devoir. En le laissant fuir, je faisais preuve de miséricorde. Et si les Français avaient réussi? Impossible. Mes précautions étaient prises. Le roi galopait jusqu'à Greenwich avec eux. Là, il s'embarquait sur une felouque. Quatre hommes à moi et cinq tonneaux de poudre les y attendaient. En mer, mes hommes descendaient dans la chaloupe. Vous devinez le reste. Ils sautaient tous. Exactement. L'explosion faisait ce que l'âche n'avait pas voulu faire. Échappé à la justice humaine, le roi Charles était atteint par la vengeance divine. Nous n'étions que ses juges, et Dieu était l'instrument. Voilà ce que m'a fait perdre votre bourreau improvisé, Morland. Je comprends, monsieur. L'idée de la felouque minée était plus politique. Elle est devenue inutile. Vous irez donc ce soir à Greenwich. Vous demanderez le patron de la felouque l'éclair. Lui montrerez un mouchoir blanc noué par les quatre coins, c'était le signe convenu. Et annulerez l'opération. Bien, monsieur. Vous partez? Oui, par le passage secret. Ce n'est pas mon habitude de coucher trois fois dans le même lit. Adieu. Messieurs, voici le bourreau du roi Charles dans son costume d'assassin. Aucun Anglais ne me ferait ce reproche. Aucun Anglais ne vous connaît comme nous. Vous avez tué le roi Charles comme vous avez tué votre oncle de Winter, pour des raisons personnelles. Vous êtes un assassin. Et vous, comment faudra-t-il vous nommer? Comment appellerez-vous cet horrible forfait comme il y a 20 ans près de Béthune? Cette parodie de justice! Votre bourreau était peut-être authentique, mais vous lui avez forcé la main par une félonie. Ce blanc-seing arraché à ma mère! Votre femme, comte de l'affaire. Ses crimes étaient grands! Et vous vous êtes mis à quatre pour l'en punir. Quatre contre une femme seule. Car il ne faut pas compter l'enfant que j'étais alors. Mais l'enfant a grandi. Et à son tour, il réclame des comptes. La haine donne soif. Votre sang, messieurs! Venez le prendre. Non. Je vous hais tous les quatre, mais à des degrés différents. Et comme j'ai plus de chances de tuer le premier que les trois autres, je réclame le droit de choisir mon adversaire. Soit. Je choisis donc celui qui, ne se croyant plus digne de se nommer le comte de l'affaire, s'est fait appeler Athos. C'est impossible. Vous avez peur. Je ne peux pas. Vous avez entendu? Monsieur de l'affaire ne peut pas se battre avec vous. Désignez donc un autre adversaire. Dans ce cas, peu m'importe. Mettez vos noms dans un chapeau, je tirerai au hasard.
D'Artagnan. J'espère que vous n'avez aucune objection. Aucune. La jambe est raide, le jarret moins vif, vous vieillissez, chevalier. Oh. Maître, je veux votre vie à tous. Vous vous attendiez à quoi, un duel? C'est un combat déloyal que je vous offre. Attendez-vous au pire. Il nous échappe, sans Dieu! Il faut défoncer cette sacrée muraille! Ah, inutile, c'est du roc! Tant mieux. Comment tant mieux? Vous ne voyez donc pas le piège? Quel piège? Mais pendant que nous nous acharnons sur ce mur, il est allé chercher du renfort. Il a raison. Ils vont revenir en nombre et nous massacrer. Allons-nous-en. Où cela? À Greenwich. L'éclair nous y attend. Thank you.
Lieutenant Mordaunt, c'est le général Cromwell qui m'envoie. Rogers, il y a quelque chose de changé? Au contraire. Le général m'a chargé personnellement de mener l'affaire à bien. Cargaison du Porto. 5 pleins. Les autres vides. Cette nuit, pendant que nos passagers dormiront, vous vous glisserez dans la chaloupe. Je vous rejoindrai sitôt la mèche allumée. Il faudra souquer ferme pour être suffisamment loin quand l'explosion se produira. C'est votre affaire. Munissez-vous de provisions, rhum et biscuits. C'est fait. Bien. Voilà les Français. Chacun à son poste. Cette fois, le diable lui-même ne les sauvera pas. Que ça m'en va prendre. Chaque fois, c'est pareil. La mère, elle aime pas n'importe qui. Alors, j'ai jamais pu la supporter. Il va. Oh, oh, oh. Alors, viens avec moi. Regarde. Du Porto. Ça te dit rien? Tous à point fermé. Réveillez vos hommes. Quand tout sera prêt, donnez un coup de sifflet. J'allume la mèche et je vous rejoins. Il vaudrait peut-être mieux confier ça à quelqu'un d'autre. Ça peut être dangereux. J'y tiens. Allez, viens vite.
Et Mordaunt. Il ne se doute de rien. Je m'en occupe. Non, Porthos. Laissez faire le destin, nous n'avons pas de temps à perdre. Remerciez plutôt Grimaud, s'il ne nous avait pas prévenus, nous sautions. Allez à la chaloupe. N'ayez pas d'inquiétude. Je saurai convaincre Mazarin que j'ai bien servi sa politique. D'ailleurs, entre Gascon et Italien, il y a toujours un terrain d'entente. Oui. Tout s'arrange, en effet. Nous-mêmes, nous gardons l'espoir de faire remonter un jour le fils de Charles Ier sur le trône d'Angleterre. Ainsi, nous souviendrons-nous de cette aventure sans amertume. Excepté Porthos. Il comptait ferme sur sa baronnie. Baron à la cour? Pourquoi faire? Ici, il est prince. Pourquoi trois perdreaux? Mais monsieur, d'habitude... Mais l'habitude, c'était avant. Ah. Mon foie a été détraqué par la nourriture anglaise. Il a besoin d'un petit régime. À partir d'aujourd'hui, ce sera six perdreaux, compris? Compris, monsieur. Ces messieurs sont levés? Monsieur n'est pas au courant. Ces messieurs s'en vont. Quoi? Mes amis, mes amis, pourquoi partez-vous? Quelque chose vous a déplu? Oh, la nourriture, n'est-ce pas? J'en parlais à l'instant même avec Mousqueton. Mais si vous voulez, non? Cher Porthos, Pierrefonds est un lieu de délices, mais voilà déjà 8 jours que nous y sommes et vous ne voulez pas nous laisser nous en aller. Nous sommes bien obligés d'employer la ruse. Mais qu'est-ce qui vous presse? Ah, les affaires. Athos, le soin de son domaine, Aramis, la hâte de retrouver sa soutane. Et vous, D'Artagnan? Et vos intérêts, mon cher? Vous tenez toujours à votre baronnie. Plus que jamais. Hein? Eh bien, si vous voulez l'obtenir un jour, laissez-moi aller en chercher l'occasion. Et en attendant, refaites-vous une santé. Mousqueton! Tu as entendu? Dorénavant, ce ne sera pas 6! Ce sera 12 perdreaux. Tu as compris? Rires.